Voilà, donc ici on a donc du tissu 32 grammes. Donc ici j'ai mes 16 mm, donc je plie une fois 8, une fois enfin, je plie deux fois mon ourlet et après je passe sous la machine, hein, c'est le niveau du bord d'attaque. Le problème qu'il y a, c'est que c'est tellement fin comme tissu qu'il faut soit mettre du Dacron dedans ou un truc comme ça. Et donc là j'ai pris du film plastique pour recouvrir les livres, hein, quelque chose qui est déjà assez consistant. Voilà. Donc je découpe des bandes de 7,5 mm de large par rapport à mes ourlets, c'est calculé quoi. Et voilà, donc je vais rouler ça, je vais faire mes pliages, incorporer ça dedans. Donc j'avais fait exactement la même chose pour mes deux open, mais j'avais fait ça en Dacron. Et là du Dacron, j'en ai plus dans l'immédiat. Et puis ça, c'est beaucoup plus facile à découper. Donc ça va permettre, quand on va passer sous la machine, d'avoir quelque chose de propre, un ourlet qui va pas, parce que le problème, si on met rien à l'intérieur, sur du tissu fin, il va se rétrécir à la couture avec la machine à coudre. Voilà, donc je vous montre le résultat plus tard. Voilà, donc ici on a bien les deux rabats et je les rabats encore une autre fois. Voilà, et en fait, voilà. Donc, une fois qu'on a incorporé la bande de plastique dedans, on a vraiment un ourlet qui est très propre, il n'y a pas de rétrécissement. Voilà, donc puis ça reste souple. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait un pré-assemblage au pistolet à colle, hein, donc ça permet un bon alignement. Donc c'est l'extrados, de toute façon il n'y a pas d'intrados sur cette pelle-là. Donc un petit point de colle à chaud entre les, on saisit bien, on aligne bien d'un côté, on écarte un peu les lamelles avec une goutte de colle, on presse avec les doigts et voilà, comme ça après on a un bon départ de couture pour la machine.